Bien. Pas bien. On confie le matos. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il n'a pas vendu les armes cette fois, il les a données. C'est ridicule. C'est un trafiquant d'armes. Il doit les vendre pour gagner de l'argent. Et il est reparti. Il prépare quelque chose, j'en suis sûr. Vous connaissez Greaves ? Je suis Tambosa, le chef de l'APR. Parfait. Nous cherchions quelqu'un comme vous. Ce pays rencontre une grave pénurie de morphine. On n'en trouve plus du tout. Ceux qui doivent être opérés paniquent. Ils prennent n'importe quoi pour ne pas souffrir. Du whisky, des gaz à aérosol et même du diluant. Cette pénurie nous arrange. Moins d'opérations, moins de survivants chez les soldats. L'UFLL a une petite réserve de protoxyde d'azote. Vous pourriez la détruire ? Les bouteilles sont dans une ancienne clinique dentaire, à l'ouest de Port-Sélao. Les bouteilles sont empilées à hauteur de poitrine sur un camion plateau. Elles sont dehors, exposées au premier venu. Une cible immobile, sans risque de riposte. Vous y arriverez ? Monsieur Greaves a appris à accepter ce que nous faisons. Prenons le dessus par tous les moyens. Alors ? Nous payons avec des pierres, comme d'habitude. Allez à la clinique dentaire et détruisez toutes ces bouteilles d'azote. On est d'accord ? Ce monde est moche, et c'est de pire en pire. Nasrine, t'as fini ta petite réunion ? Viens me rejoindre près du bureau de poste.
Ah, d'accord. Tu m'as eu par surprise. On n'a pas beaucoup de temps, alors je vais aller à l'essentiel. Après le virage, il y a un bureau de poste. À l'intérieur, il y a un paquet qui contient une tête de Delco. Il correspond au camion que tu cherches. Récupère-le. J'ai cru comprendre que t'étais payé pour détruire le camion. C'est ridicule. Tu ferais mieux de le réparer et de le conduire jusqu'au garage à Sefapan, où je travaille. Je déteste cet endroit. Et quand j'ai entendu parler du protoxyde d'azote, j'ai eu une super idée. Tu amènes les bouteilles dans le garage. Et tous les deux, on tire dessus. Et on fait exploser tout l'endroit. Il faut que je te prévienne. Quand tu viens, tu devras être super prudent. Tu vas transporter une charge très dangereuse. N'attire surtout pas l'attention sur toi. N'oublie pas, tu cherches le bureau de poste. Le colis, retourne au camion.
pas ça. Ouvre l'œil et surveille les hauteurs. Il y a quelqu'un là-haut. Le camion est en route? Parfait. Je suis au garage, là. À bientôt.
court-circuiter la boîte de raccordement. Va ouvrir les bouteilles. Ok, dépêche-toi, ça va péter d'une seconde à l'autre.